nous avons pris la décision à Focal qu'il nous fallait collaborer avec la société pour marquer la date, même modestement, mais comme l'a dit le président, solennellement. Je laisse à Pierre et au vice-président Gertie Lissad et à Louis Saint-Piduc Lorméus, que vous allez entendre plus tard, le soin de revisiter avec nous l'histoire de cette importante société savante, la première de la Caraïbe. Les jeunes générations ne s'imaginent pas tout ce qu'a exigé et qu'exige encore de maintenir active la société au long de ses 100 ans, en organisant les rencontres, les débats et surtout les publications. Pendant de nombreuses années, la revue avait des abonnés dont la liste était publiée dans les dernières pages de chaque édition. Une manière d'en montrer l'intérêt pour soutenir les activités de la société, mais aussi pour les différentes thématiques qui y étaient traitées. Ayant été personnellement abonné, je peux vous citer quelques titres. Le nationalisme de l'histoire des élites politiques haïtiennes. Franklin D. Roosevelt est-il l'auteur de la Constitution de 1918? La guerre du Sud et les enjeux du commerce international, la révolution haïtienne et l'universalité des droits de l'homme, Aimé Césaire, la décolonisation et l'utopie, Haïti et ses élites, l'interminable dialogue de sourds, la participation populaire dans la crise de 1843-48, quand la fièvre jaune s'abattait sur Saint-Domingue, et texte du séminaire « Femmes et esclavage dans les Amériques ». Si je devais continuer à citer, on pourrait passer deux jours là. La liste est longue, très très longue, et je n'ai pas cité le nom des auteurs, des autrices haïtiens, caribéens, français, canadiens, africains, allemands, etc. Une vraie mine pour les chercheurs. Les revues publiées, bon l'an, mal an, aujourd'hui encore, constituent un socle de référence historique d'une richesse inestimable auquel ont contribué d'éminents historiens d'Haïti, de la Caraïbe et du monde. C'est aussi la raison pour laquelle, lorsque Clorméus nous a informé que le 8 décembre 1923 est bien la date formelle à laquelle le docteur Brun Rico a convié des collègues à l'amicale du lycée Pétion pour créer une société d'histoire, mais qu'en fait la date du lancement des activités de la société a été le 23 mars 1924, nous projetons d'organiser avec la société en mars prochain une exposition sur ses 100 ans d'histoire avec photos, articles, archives, revues, etc. En 100 ans, on s'imagine bien les écueils de tous ordres qui persistent encore aujourd'hui en ces temps de déraison et de perte de repères. Mais la société continue à nous instruire, à nourrir notre imaginaire et à susciter des débats. Je souhaite que la Société d'histoire, de géographie et de géologie puisse s'assurer d'une relève de jeunes intéressés à l'histoire, à notre histoire, telle qu'elle s'inscrit dans la grande histoire. C'est autour de ce 8 décembre 1923 qu'Horace Poléus Salmon, son premier président, délivrait solennellement son message à la nation tout en déclinant les contours de la mission assignée à la société savante qui venait de l'être. En cette matinée, aujourd'hui, chargée d'émotions à peine contenues, et vous le comprendrez, il me paraît possible de partager liminairement avec vous un bilan que j'entends à considérer comme, il est difficile d'être modeste parlant de la société d'histoire, d'être, je crois, énorme. Le long 19e siècle, étudié par certains de ses membres, Michel venait de le souligner, malgré cette déroutante et assez narrante occupation ayant suivi ce 28 juillet, ne s'était pas encore dissipé. Il arrivait, malgré l'effondrement du régime politique,
du régime militaro-politique qui a dominé cette société sur plus d'un siècle, Horace Polemussan, Jean Pincemar, son successeur, sont considérés comme les enfants de ce 19e siècle. Le premier est né en 1870 et l'autre en 1876. L'héritage qu'il portait et entendait assumer face à cette tragédie ont bien vite orienté le débat national et le destin de notre vieille dame. Le rapport, celui de leurs disciples, ont fortement contribué à déplacer le regard des élites haïtiennes sur leur passé et sur le vécu populaire, tout en leur permettant surtout de découvrir à travers ses mœurs, ses rituels, ses pratiques de production, la paysannerie. La paysannerie comme vécu, mais encore comme question fondamentale de ce pays. Ce travail qu'ils ont effectué a permis d'élargir le champ de l'imaginaire haïtien et des élites, tout en densifiant le grand récit des peuples que 1804 a apporté au monde. La société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, de sa fondation à date, est parvenue à construire un patrimoine historiographique énorme, impressionnant. Grâce à ce patrimoine, des générations entières, incluant celles d'aujourd'hui, ont pu se familiariser avec les légendes des Marins, des Capots, de Toussaint Louverture, de Thessalie, de Pétion et du terrifiant Henri Ier et de ses rêves de grandeur pour Haïti.